Là, j'avais qu'il était là, mais je savais pas qu'il allait jusque dans la manche. Il va jusque là, ouais. C'est très très grand. Et du coup, c'est un périmètre où il y a une certaine protection de la biodiversité, il y a une certaine protection de la forêt, un certain entretien. Oui, hein. Si on se rend pas compte de ça, c'est d'accord, ok. Tout ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on prépare, c'est en vue de l'organisation de la fête du parc. Là, j'y suis allé un peu pour les morilles et tout, mais bon, moi, je ne retrouve jamais. D'accord. Mais ça balade. Alors, très concrètement, en fait, on a eu quelques échanges avec les passants. Et moi, ça m'a permis de prendre des notes sur ce qu'ils m'ont raconté, voilà, pour eux, qu'est-ce que c'est de vivre dans le parc. Et le principe du porteur de parole, en fait, c'est de ensuite faire ressortir juste un extrait de cet échange. Et on choisit une phrase, un passage de ce qu'ils nous ont dit, et on l'écrit. Et puis après, pour attirer les autres personnes, on le pose par terre. Et donc, ça crée toute une fresque pour attirer les gens. Je ne comprends pas non plus que ce soit... que les parcs, ce soit un regroupement de personnes. C'est ça, moi j'aurais du mal à marcher avec un tas de personnes qui quelquefois, ça ne les intéresse même pas. Mais voilà, c'est une sortie et puis c'est tout. Moi, c'est respecter la nature, voir des choses qui sortent de l'ordinaire, mais surtout qu'on respecte la nature. Il faut le préserver, mais que ce soit utilisable, vivable, et que ce ne soit pas à nouveau... en nous imposant des pratiques qui ne sont pas les pratiques ancestrales de ce qu'ont vécu les gens sur ces territoires. Moi, ça représente une vie pour moi, un respect des choses, et à respecter les animaux déjà pour commencer, et à respecter les gens aussi, parce que les gens en font partie, bien entendu. Tout est un ensemble, quoi. On va prendre le temps d'aller voir tout ce qui a été fait, mis, justement, pour apprendre. Et on emmènera nos deux petites filles, voilà. Parce qu'on veut qu'elles marchent dans la même voie que nous, quoi. La liberté, la campagne, les odeurs, les couleurs, voilà. Les cartons que vous voyez là, qui sont le résultat en fait des entretiens, des échanges qu'on peut avoir avec les gens, seront exposés. D'accord. En intégralité, donc de ceux qu'on a eu de toutes les villes du parc dans lesquelles on a pu aller. Nous, on aime beaucoup la marche, on aime beaucoup la nature, on échange beaucoup avec les enfants, que ce soit au niveau de la flore, de la faune. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Et puis la région par elle-même, il y a encore une quiétude. Il y a encore, tout à l'heure, c'est encore à échelle humaine. Les gens prennent le temps un peu de vivre. Eh bien, c'est un lieu de villégiature. On peut aller s'y promener, aller admirer, je vous dis, la biodiversité, d'aller admirer les arbres, d'essayer d'entrevoir un cerf ou un petit lapin. C'est important. Des balades à 3, à 4, à 5. À 4, 5, oh là, à plein. À plein. Bah, c'est super, donc les premières balades de découverte, les animaux. Exactement. Ça joue, vous diriez, dans la qualité de vie de vivre ici, d'avoir accès à... Oui. Avant, on habitait en appartement ville et du coup, on a déménagé en pleine campagne. Depuis quelques années, du coup, je découvre le parc naturel parce que j'ai ma belle-mère qui habite juste à côté.
et des amis et tout. Et donc oui, c'est un endroit où on va pour se promener en famille, entre amis, pour se ressourcer un peu. Et donc si vous acceptez, on peut échanger pendant 30 secondes, une minute. C'est le dispositif en fait qui attire les personnes directement vers le porteur de parole. Nous, on n'a pas besoin de faire un effort pour venir les chercher, on n'a pas besoin de les agripper ou de les interpeller comme ça peut se faire dans d'autres situations. C'est jamais très agréable en fait de se faire interpeller dans la rue. Là, en fait, c'est les couleurs qui les attirent. Et donc c'est comme ça qu'ils viennent, qu'ils discutent, et puis après, c'est l'entretien qui fait qu'on va pouvoir avoir de la matière assez intéressante et qu'on va pouvoir illustrer en une phrase l'ensemble de ce qu'ils ont pu nous dire. On a parlé de, des gens. Les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants. Le cadre. Ouais, on a un joli cadre de vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je suis à Paris la semaine parce que j'étudie là-bas. Ouais. Et je rentre à Argentan le week-end. Et c'est vrai que quand je rentre, ça fait un peu une aération, quoi. Ça fait du bien. On se retrouve un petit peu avec la. Après, Paris, c'est bien aussi. Il y a des parcs, il y a tout ça, mais c'est pas intégrant à la ville, entre guillemets. Donc c'est super. C'est cool. Okay, I'll go to the